Attendez, je vais bouger ça aussi, voilà, merci. Alors, pour accompagner votre apéritif, le chef vous propose tout d'abord une bouchée au cèpes. Donc, il a travaillé le cèpes en panna cotta posé sur un biscuit sablé. À côté, vous avez une tartelette avec une crème de chou-fleur. Sur la douelle, alors c'est la version moderne de l'œuf pimosa, donc c'est une version miniature de son entrée signature, avec un blanc d'œuf moelleux. Et cette fois-ci, ces œufs sont travaillés avec le chou rave. D'accord. Donc vous allez le retrouver dans la mayonnaise avec un filet d'huile de noix torréfiée et en pickles sur le dessus. D'accord. Et pour finir, alors là, il a travaillé la chlorophylle de la feuille de chou rave en tuiles, agrémentée d'un condiment à l'ail noir et d'un tarama d'œuf de dorade. Et je vous souhaite une très bonne dégustation. Pour accompagner votre repas, le chef vous propose un beurre au lait cru qui vient de la ferme des Doucets à Beaulieu-sur-Loire. Donc le premier à gauche est demi-sel, le second, vous retrouvez la chlorophylle de feuilles de chou rave, et pour le dernier, il a réalisé un paprika de tomate. Donc c'est de la peau de tomate qu'il a déshydratée et légèrement relevée de piment d'Espelette. Et vous avez également à disposition, c'est une huile de tournesol, elle est bio et elle vient de l'huilerie Garot d'Hélis à Saint-Martin-des-Champs. Et les différents vins de Savigny, on s'en sert toujours. Alors pour vous mettre en appétit, le chef vous propose un amuse-bouche autour de la betterave. Donc vous avez la betterave Chioga qui a été travaillée en palais confit et la betterave rouge en mousse crémeuse. Et le tout est assaisonné d'une huile d'estragon et d'un vinaigre que le chef a réalisé avec la peau de la betterave. D'accord. Bonne dégustation. Et pour le donc pour l'extra brut en dosage donc par gramme par litre, vous êtes à 4,25 grammes par litre. Alors, vous allez commencer avec l'œuf de canne du centre-val de Loire, qui va être cuit à 64 degrés. Vous allez avoir une rillette de cuisse, donc de canette, accompagnée d'une brioche pour garder ce même côté de gourmandise. L'épinard pour un petit peu de fraîcheur. Et je vous ai servi un bouillon donc, de volaille. Nettoyez le palais en même temps. Bonne dégustation. Continuez, donc c'est le champagne Filippona, la cuvée Royal Reserve en rosé brut. Donc ici, vous êtes sur le même dosage que vous avez vu sur le, pour l'apéritif. Alors voici l'ours. Donc le chef, il est accompagné d'une mousseline de poisson. Vous allez retrouver du citron soudachi et du cresson bread. Je vous verse un bouillon de légumes qui a été travaillé avec du jus d'oursin, un petit peu dans l'esprit d'un beurre blanc. Il va se mélanger avec le corail de l'oursin dans le fond de votre assiette. Et à côté, vous avez un risotto de céleri avec une crème d'oursin. Bonne dégustation. Alors, donc le Clos d'Aigoisse, donc en extra brut millésime 2012. Donc ici, vous êtes sur 60% pinot noir et 40% chardonnay. Dégorgé donc en avril 2021. Vous allez suivre avec les Saint-Jacques, donc deux plongées qui vont juste être snackées. D'accord. Vous allez avoir la carotte en glacé. Donc le chef a voulu faire un peu comme un condiment, une moutarde de carotte. Vous aurez les pieds de cochon. Et je vous sers un jus de barbe torréfié. Je vous laisse associer, n'hésitez pas. Bonne cotisation. Vous avez l'ice champagne pour vous rafraîchir entre le poisson et la viande. Vous voulez de l'autre côté? Oui. Donc là, vous allez voir toutes les explications. Alors, vous allez suivre avec le filet de pigeon, qui va être cuit sur coffre. Mm-hmm. Vous gardez tout son juteux et son moelleux. À côté, vous allez avoir un ketchup de chou à choucroute pressé de légumes. Vous allez avoir les trompettes de la mort, le butternut et la pomme de terre. D'accord. Sur le côté, vous allez retrouver une mousse de foie de pigeon. Pas hésiter à tartiner. Et à côté, un souvenir d'enfance que le chef aimait beaucoup, il mangeait une tartine, la rillette dessus et grillée au four. Je vous laisse découvrir. Bonne cotisation. Vous voyez des parcelles donc, du Clos d'Aigoisse et la Rémissionne. Donc la Rémissionne qui est la parcelle qui est juste à côté. Toujours en dosage de 4,25 grammes par litre. Le chef vous propose maintenant son fromage signature, donc le fromage frais de Bufflonne de la ferme Bailly-Blain à Savigny-en-Sancerre, qu'il a agrémenté d'ail frit, de melba de pain, de très jeunes pousses de carottes. Et cette fois-ci, il faut aller chercher au fond de l'assiette un condiment de melon. Bonne dégustation. Oui, bah oui. Et donc une production que de 624 bouteilles. Et ensuite, vous allez terminer avec les poires. Donc celles-ci viennent du Loiret. Le chef a travaillé la poire William et la poire Conférence. Vous allez les trouver en tartare, rafraîchies de cerfeuil et enfermées dans une fine gelée. Pour la gourmandise, une ganache au praliné
et des tuiles de chocolat blanc croustillantes. Et pour la fraîcheur, un sorbet au yaourt. Et je vous ai versé un coulis de poire que le chef a réalisé avec les peaux et les cœurs des fruits. Bonne dégustation. Alors pour les pâtes de fruits, vous avez donc une pâte de fruits raisin et cannelle. Ici, vous avez donc une tartelette avec une ganache à la pistache et un petit sablé avec une crème brûlée au rhum et un crémeux au marron.